Un mot sur les conditions de jeu, elles sont vraiment idéales. Le terrain est parfait et le public est au rendez-vous. Alors évidemment, comme toujours, on attend du spectacle, des envolées, des duels, des buts. Mais l'important, évidemment, c'est la victoire. Nouvelle occasion de centrer. Joe Bryan. Une frappe à travers la défense. Ballon repoussé des points, corner. Ballon brossé vers le but. Il va peut-être la prendre. C'est beaucoup trop loin du poteau droit. Même si leurs trois tentatives n'ont pas encore trouvé le chemin défilé, c'est quand même un joli début de match de leur part. Le joueur avait bien vu. Ils ont toujours le contrôle du ballon. Le Chius. Bonne réaction de la défense. Thomasson. Bonne action, le ballon est récupéré. Joe Bryan. Bien donné. Il décoche un tir. Cela manque de précision pour inquiéter le gardien. Et si la défense lui laisse de l'espace comme ça toute la rencontre, à mon avis, il va pouvoir tirer au but pendant 90 minutes. Et oui, il faut jouer le ballon, pas le joueur, coup franc. C'est bien de voir du fair play sur un terrain de football. C'est vraiment loin. Off. Van Bronckhorst. Zenden. Le tir est décoché. Et but! Quel magnifique départ! Il marque alors que l'on joue depuis moins de 10 minutes. Félicitations! L'important sur cet appel en profondeur, c'est de ne pas être hors jeu au départ. Et à part que l'arbitre ait eu une crampe au bras, je crois que tout était parfait sur cette action, dans la passe et la finition. Ils ont pris de l'avance, 1-0. Un but d'entrée comme ça, je peux vous dire, ça va calmer les esprits. Hein. C'est sûrement un grand stimulant d'ouvrir la marque à ce moment de la rencontre. Zenden. Attention, c'est parti à 2000 à l'heure. Zenden. Le duel est remporté, c'est bien. Le meilleur moyen de ne pas encaisser un but, c'est de garder le ballon. Long ballon aérien.
une occasion en or. Joe Bryan. Ils peuvent construire quelque chose. Il tire. Il a complètement gâché cette occasion. À mon avis, sur ce coup-là, il va y avoir explication entre le gardien et les défenseurs. Si tu laisses jouer un joueur comme ça et te le laisses frapper, heureusement qu'il n'a pas cadré. Encore une occasion de centrer. C'est imprécis, manque de concentration. Et tu ne peux pas te permettre sur des centres comme ça de rater ta tête. Il suffit simplement de la toucher, il y a but. L'attaque est stoppée, ça donnera rien. Lichunso. Ça pouvait être dangereux, donc coup franc. Le joueur risque gros, l'arbitre hésite, mais finalement, il ne sortira pas de carton. Van Bronckhorst, Hofland, Lichunso. Pour Van Bronckhorst. On est toujours dans le même camp et la touche est dangereuse. Bon retournement de situation, il a le ballon. Pour Thomasson. Le déclic, ce serait un but, mais ça ne vient. Faute incontestable. Il pourrait aussi l'envoyer dans la surface de réparation. Thomasson. Il l'a touché des points, mais ne l'a pas capté vraiment. Corner. Ballon travaillé vers la cale. Ça rentre pas, pourtant c'était un beau tir. Oh là, c'est vraiment dommage, parce qu'à mon avis, il avait une superbe occasion pour égaliser. Il s'est trouvé en bonne position, mais je pense qu'il s'est un petit peu précipité. Un très long ballon. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Ah, quel dommage. L'arbitre a levé son drapeau. Lucius. Maintenant qu'ils ont le ballon, ils arrivent un peu à le conserver. Ça peut suffire. Oh, que ça va partir vite. Encore une belle occasion. Ça n'échappe pas au gardien. Il choisit de jouer long. Thomasson. Lichunso. Nouvelle occasion de centrer. Zenden. Au secours, il me semble bien mené. Encore une belle occasion. La défense est solide.
Il s'est bien battu pour récupérer le ballon, mais il l'a perdu à nouveau. Joe Bryan. Lichouf. Juan Bronckhorst. Lichounso. Juan Bronckhorst. Lichounso. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé. Le ballon part dans tous les sens. Lichounso. Sur le plan tactique, c'est pas mal joué. Maintenant, il faut vraiment trouver la solution. Et Thomasson. Il cherche des espaces. Et malgré la pression, c'est du beau football. Les avants font vraiment un travail extraordinaire. Encore une occasion de centrer. On est parti pour un drôle de compte. Peut-être un nouveau but à l'heure active. Il lui faut de l'espace. Belle déviation en corner. Bien vu de la part du défenseur qui dégage en corner. Chandelle. Facile pour la défense. Il manque vraiment de coordination. Bon dégagement. Il a trouvé le décalage. Ce sera un nouveau corner. Ballon aérien. Il y a trop d'effet dans ce ballon. Oui, la passe arrive à destination sur l'aile. Ils ont une nouvelle occasion de but. En plein milieu de la surface de réparation. C'est très mal joué. Arrêt du gardien sur ce tir rasant. Joe Bryan. Nouvelle occasion de centrer. Dégagement. Nous avons presque atteint les 30 minutes de jeu. Ballon renvoyé en arrière. Il a trouvé un partenaire, voyons la suite. C'est un nouveau corner. C'est un tir brossé. Et c'est un nouveau corner et une nouvelle occasion. Ce ballon est bien haut. Quel manque de réussite, c'était tout près. Le gardien a le jeu en main. Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Van Bronckhorst. Hofland. Lichouf. Lichounso. Van Bronckhorst. C'est peut-être l'occasion dont ils ont besoin. Il y a du beau mouvement, de belles combinaisons, mais il faut trouver la faille. Oh, il est joli ce ballon. Trajectoire coupée par le défenseur. Off.
Une interception au moment crucial et un bon dégagement. Et Van Bronckhorst. Pour Hofland. Lissouso. Il va peut-être marquer. L'arbitre accorde un corner. C'est un ballon fouetté vers le but. Attention, c'est parti très vite. Le but est marqué. Le but est valable. Il double la mise au cours de cette première période. C'est vraiment bien joué. Christian, il a été formé chez les Marines pour pouvoir envoyer une telle bolide à une telle distance. Heureusement qu'il n'a pas frappé un poteau, sinon il aurait pu casser les cages. En voilà un autre. C'est donc un doublé et à mon avis, il ne va pas vouloir s'arrêter là. De 0, c'est vraiment une bonne avance. Alors attaque est vraiment de feu. Elle est en pleine boule. Elle est capable de marquer. Elle va essayer encore d'en marquer pour essayer d'agrandir encore plus le résultat. Maintenant, c'est de savoir s'ils vont le faire avant ou après la pause. Un long ballon vers l'avant. Provoquer le gardien. Et il marque. C'est le troisième but juste avant la mi-temps. C'est extraordinaire. Avec beaucoup de lucidité, il a glissé le ballon à l'attaquant qui était à la limite du hors-jeu. La passe était encore plus difficile que la finition. Visiblement, ils ont atteint leur régime de croisière. Ils font bien circuler le ballon et le score est vraiment logique. À 3-0, ils n'ont même pas l'air de vouloir se relâcher. Là, ils sont rentrés dans le match comme il le fallait, avec détermination depuis le coup d'envoi. Ils ont franchi les arrières du camp adverse assez régulièrement. Si ça continue, ça pourrait se transformer complètement en déroute. Il va pouvoir marquer. N'est pas une belle frappe, elle n'est pas cadrée. Ah, il n'a pas de chance. Et s'il avait réussi sa frappe, on avait vraiment senti que le gardien était à la pêche. Thomasson. Peut-il marquer ? Ils peuvent construire quelque chose. Ils jouent derrière la défense. Jolie passe au milieu de la défense. Le gardien a dévié la balle, corner. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Ouh là là, ça peut être fatal. Que va-t-il décider? C'est pas cadré, cela passe à gauche. C'est dommage, il semblait avoir fait le plus difficile, mais je crois que c'est le gardien qui l'a forcé à déjouer sur ce coup-là. Direct.
Joe Bryan. La domination est outrageuse, c'est impressionnant, de la passe à 10. Il y a des ballons qu'il ne faut pas perdre. But, j'en crois pas mes yeux, et c'est le quatrième et on est encore en première mi-temps. Et vu sa position, il n'y a qu'avec le pied droit qu'il pouvait frapper. Ça ne m'étonne pas, il n'avait qu'une idée en tête, c'était réaliser un hat-trick. Ils sont déchaînés devant le but, 4-0. Là, la défense, elle a pris complètement le boulot. Hein. C'est toute l'équipe qui est passée à travers dans ce match. Hein. Alors, je pense qu'ils ne se contenteront pas de limiter les dégâts. La domination est totale, c'est presque de la passe à 10 et on va peut-être voir encore un but. Il peut surprendre et marquer. Encore une occasion de centrer. Touche. Voyons si nous allons constater un effet sur le terrain. Joli dédoublement de la part du défenseur. Belle interception qui permet de reprendre le contrôle du jeu. Quelle frappe! Oui, encore un! Encore un! Ils sont dans une très bonne période en ce moment. Que c'est bien joué! Et le gardien va peut-être qu'il finisse meilleur buteur, ou alors que son entraîneur soit viré. Comme le score l'indique, c'est vraiment un super résultat. Ah ça, c'est un vrai festival de buts. Hein. On peut dire que c'est le feu d'artifice. Ils ont écrasé complètement la défense adverse. Ah, ils semblent capables de marquer maintenant à chaque attaque. Il est temps que l'arbitre arrête la rencontre. Autour du goal de jouer. Zenden. Il essaie d'y arriver. Cela manque de précision. Il avait fait le plus dur, il s'était créé l'espace. C'est vrai qu'il était un petit peu loin du but, mais ça aurait pu surprendre le gardien. Ah, je pense qu'il aurait aimé marquer de là. Provoquer le gardien. Ça ne fonctionne pas. C'est dégagé. Trop loin du but. Pour dire une balle de golf, c'est trop faible. Il a essayé de frapper, on l'a senti instantanément. Il a voulu battre le gardien, mais il a quand même pas trop cadré son tir. Arrêt de jeu indique le tableau. Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Et oui, il faut jouer le ballon, pas le joueur, coup franc. C'est pas bien joué, la passe est ratée. Fin de la première. Début de la deuxième mi-temps. Allons-nous avoir une seconde période aussi disputée? Lichunso. Elle est belle cette passe. Ouais.
C'est pas idiot, on essaye de construire en jouant d'abord derrière avec une belle sérénité. Zenden. Lucius. Green. Avec un peu de chance, ça peut aller au fond. Va-t-il y avoir but ? Long dégagement en avant. C'est court-circuité, l'attaque a été tuée dans l'œuf. Thomasson, Zenden. C'est un défenseur qui est venu prendre le ballon. Nous avons maintenant une remise en jeu. Lichunso. Off. Pour Thomasson. Bien joué de la part des défenseurs. Oh, que ça peut être dangereux sur ce coup. Super contrôle du jeu. Une interception au moment crucial et un bon dégagement. C'est très loin du poteau droit. C'est étonnant, il avait encore le temps d'avancer, il n'a pas avancé, il a préféré frapper de loin. Ah, c'est pas mal joué quand même. Lucius. Encore une belle occasion. Pas moyen de passer cette fois. On est parti pour un drôle de compte. Lichunso. Bon réflexe, bien joué. Oh, il est joli ce ballon. Frappe de la tête. Oui, il a marqué. Et ce n'est pas le premier but de la partie. Cela tourne véritablement à la démonstration. Et vous avez vu ce superbe but avec le coup de taureau qu'il a. À chaque fois qu'il met un coup de tête, ça fait ficelle. Aujourd'hui, c'est son jour, pas de doute, un doublé magnifique et le match n'est pas fini. Nouvelle occasion de centrer. Attention à la remise en jeu. Off. Zenden. Lichunso. Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant.
Trajectoire coupée par le défenseur. Sur le plan tactique, le ballon circule bien. Vont-ils déclencher une attaque? On va le savoir dans quelques secondes. Zenden. Hofland. Quelle occasion en or! C'est une bonne touche. Il essaie de la tête. Le goal la bloque. C'est bien, il a été lucide sur l'interception, mais il faut qu'il passe le ballon maintenant. C'est vraiment loin d'être cadré et c'est le moins que l'on puisse dire. C'est impossible de marquer de là, la langue est trop fermée. Quinze minutes dans la seconde période. Il sort de son but et capte le ballon. Hofland. Green. Hofland. Attention, tout ballon perdu dans cette zone de jeu peut être extrêmement dangereux. Il reprend le ballon. C'est bien défendu, le danger est repoussé. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Directement dans les tribunes, une occasion de perdu. Oh, il n'a même pas la place pour passer une allumette. Thomasson. Cette attaque ne donnera rien. Il faut qu'il marque ici. Il frappe au but. Interception de la défense. Van Bronckhorst. Encore une belle occasion. L'attaque n'a rien donné car dévié en corner. C'est un tir brossé. Off. Ce contre peut être redoutable. Oh, c'est trop bon, il peut marquer. Une occasion de gâcher, c'est plutôt maladroit. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Dévié par le défenseur. Lee Sun-so. Van Bronckhorst. Lucius. Hops. Quel coup! Tout près, vraiment tout près!
Ah ouais, là il y a le gardien qui est en train de remettre un petit peu en place ses défenseurs. Il laisse trop jouer, donc il y a des frappes qui arrivent trop souvent en ce moment. Ils ont passé les lignes arrières. Sortie du gardien qui s'empare du ballon. Off. Lichunso. Zenden. Off. Le contre, c'est une arme redoutable. Encore une occasion de centrer. Joe Bryan. Il décoche une frappe. C'est dommage, il leur avait tout fait. Après cette frappe splendide, il trouve juste le cadre alors que le gardien était battu. La passe a été interceptée. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Il est hors jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Offland. Van Bronckhorst. Coup franc accordé, mais oui, c'est trop physique. La défense est solide. Presque 75 minutes écoulées. C'est pas bien joué, la passe est ratée. Une faute incontestable. Le joueur a l'air d'être sonné, mais il n'y aura pas de carton. Ça passe en plein sur le poteau. Interception de la défense. Le joueur frappe. Il l'a touché des points, mais ne l'a pas capté vraiment. Corner. Il envoie au milieu de la surface. Oh là 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 là, quelle démonstration! C'est encore au fond des filets, c'est bien. Et même si la défense a fait une erreur de marquage sur ce but, on a vraiment l'impression quand même qu'il frappe plus fort de la tête qu'avec les pieds. Ce doublé est mérité. Ce joueur est vraiment au top de sa forme. La finition est superbe. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. Green. Lucius. Zenden. C'est terrible. L'entraîneur est impuissant. Son équipe s'est bien battue, mais en face, ils sont vraiment beaucoup plus forts. Joe Bryan. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé, le ballon part dans tous les sens. Mais quel coup de tête!
Ballon repoussé des points, corner. Premier changement pour cette équipe. Peut-être que l'entraîneur veut tout simplement savoir si son remplaçant est aussi performant que lui. Le ballon est travaillé vers le but. Bien joué. Ça peut se terminer au fond. Il est hors jeu, il ne faut pas oublier de revenir. Encore une belle occasion. Le ballon a franchi la ligne. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. Encore une occasion de centrer. Il passe le ballon au gardien. Bien joué de la part du gardien qui capte le ballon. Nouvelle occasion de centrer. Coup franc pour l'équipe adverse suite à cette faute. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Encore une occasion de centrer. La défense est en forme aujourd'hui. C'est court-circuité, l'attaque a été tuée dans l'œuf. Il peut peut-être centrer car il joue sur le côté. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Il passe en retrait au gardien. Dégagement. La défense a récupéré le ballon. Une seule minute d'arrêt de jeu. Attention, il frappe. L'arbitre signale la fin du match. Il faut donc rentrer au vestiaire. Et on appelle cela du réalisme. Il gagne.